Oh oui, parlez-moi. C'est hyper efficace, c'est... Ça, laissez-moi tranquille, si vous ne voulez pas que je vous décapite. Parlez. On en trouve assez rarement. Qu'est-ce qui doit dire? Quelque chose a dû vous échapper aussi efficace quand je vous ai expliqué hein, que j'aimais être seul. Ah, encore deux autres. Oh, allez. Il me faut une bière. Non, non, faudrait le seul truc qui soit mieux que de l'or. Je ferai votre corps. Je veux pas. Ah, vous commencez à me porter sur les nerfs. Ils ont ça, occupez-vous de votre lame. Les dieux rendent fou. Alors on va ceux qu'ils veulent détruire. Équiper les flèches empoisonnées. Certainement. Qu'est-ce qui doit disparaître? Donc, cela dit, ce serait allez, pas très bien. C'est un fini de tourner. Plus on le sait tôt, mieux on s'en sort. Je ferai votre tâche. Et ça fait deux fois qu'il réussit son jet de sauvegarde, là. Hein. Comment il est blessé? Ah, poison, très bien. Parlez. Encore. Sans toi, aucun doute. Ça a intérêt à en valoir la... Occupez-vous de votre lame. Il est légèrement blessé. Il est blessé. Il me faut une bière. J'avais gagné une petite pièce pour chaque crétin rencontré. Je pourrais me payer la porte de Baldur. Il doit être agonisant, hein. Edwin, qu'est-ce que tu fais comme imbécilité? T'as plus de flèches, plus de fléchettes, t'en remets et tu... Ne venez pas me déranger, oui. Maintenant que je mets au ce point un plan pour vous renverser. Vous m'avez... Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux, Kalou Kali. Parlez, certainement. Ça a intérêt à en valoir la peine. Tiens, retourne-toi. Ah, c'est fini, inutile. Oh, joli, il se retourne, il fait un bon coup critique. Pas de réussir leur jet de sauvegarde. Hein. Oh, là, un ours. J'ai réussi à l'empoisonner. Oui, j'ai réussi à l'empoisonner. Donc c'est plus la peine. Prendre les flèches. Sans aucun doute. Qu'est-ce qui doit disparaître? Laissez-moi tranquille. Si vous ne voulez pas, je décapite. Décidé d'attaquer l'arme. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Il en démordait pas hein, cet ours. C'était même un peu pénible. Hein. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Toi t'as utilisé combien de flèches? Ben toutes tes fléchettes t'as utilisé. Tout ça, c'est pour toi. Chanteur de nuit, donnez-moi de la force. Ouais, un bon petit sort comme ça. Il a 20 points. 32, il a soigné. Vous m'avez parlé. Pas terrible. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul. Les sorts modérés, c'est 2d8. Plus... plus 2 points par niveau, je crois, jusqu'à un maximum ça, de 10 au niveau 5. Votre ça veut dire qu'elle a eu le minimum, en fait. 12 points de dégâts, 12 points de vie. Je crois bien que c'est ça, hein. 2d8 plus 1 par niveau. Avec un maximum de 2d8 plus 10. Ah non.
Donc elle a eu 2d8 plus 5. Avec ses 2d8, elle a fait 7 points. Bah, c'est pas terrible, hein. Oui, c'est pas terrible du tout. Qu'est-ce qui doit dire ? Occupez-vous de votre lame. Eh, c'est dans cette zone, on a quand même eu 4 ours des cavernes. Soit 650 x 4, 2700. C'est pas mal. Un Ankag. Oh là 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 là. Des glaces, loup. Hop hop hop. C'est pas le moment de te faire repérer, hein, parce qu'un loup de glace, il peut sans te tuer. Hein. Il peut te tuer vous direct. M'avez parlé. Même un Kagan. Même un Kagan avec un nombre de points de vie hallucinant. Vous commencez à me porter mourir sur les nerfs. Contre un loup des glaces et mourir même de manière définitive, car ça te gèle. Ça, je ferai votre tâche. Incactus Fulcar. Loup des glaces, immobilisation. Il y a deux loups des glaces là-dedans. Parlez. J'attends vos instructions. Bon, alors, de toute façon, il faut les tuer en premier. L'île Allure, au nom de Charles. Ah, il va y en avoir un autre. Destructeur de l'univers. Alors, pendant qu'on y est, tiens, toi, t'as un sort, c'est le moment de l'utiliser. Ici. Ah, ça, vous venez c'est encore excellent me parce que il ça permet de se bouger encore. Allez. Oui. Vous commencez à me porter sur quand les nerfs. On bouge, on fait des dégâts aux autres. Et 975 élus des glaces. Qu'est-ce que c'est ? L'inconvénient de l'incinérateur d'Aganazar, c'est que c'est un sort qui n'évolue pas avec les dinos. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Enfin, il est déjà très performant. Hein. Ça fait 3d6 de dégâts. Et encore 3d6 le round suivant. On a vu que ça touchait une zone en fait. Enfin, c'est une ligne droite, mais. Par contre, ça touche aussi les alliés. Hein. Donc, à utiliser avec. Précaution. Ben voilà, on a exploré toute la zone. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Oui, je suis d'accord. Ben oui, t'es d'accord. T'as pas le choix, de hein, toute façon. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Non. Toi, tu vas nous ramasser les peaux de loup. J'ai dégusté son foie dans mon installation avec un délicieux Chianti sans pile et quelques fèves. Mais bon, ça pèse 10 livres. Qu'est-ce que c'est ? Donc de toute ce façon, ce sera fait. On est limité par la force du personnage. Vous m'avez ne dormez que d'un œil. Tyran. Les carapaces dans le keg aussi s'empilent chez moi. Mais de la même façon, on est limité par la force du personnage. Et même très vite limité, parce que les carapaces dans le keg... Ça a intérêt. Vous feriez mieux de prêter attention. Au jour merveilleux. Kalou Kali. Il n'y a pas beaucoup de personnages capables déjà d'en porter deux. Il me faut une vie, d'accord. Non. Soignez Kagan, parce qu'il a plus rien sur... Il a plus rien. Là, je veux pas parler. Ça va être compliqué. Alors on va vous venez encore me à vos ordres mettre, pour le moment. Jal Kales, puisse l'obscurité s'imposer. Quelque non. Chose vous dérange. Vous toi allez ici. Voir. Vous commencez à vous porter sur les nerfs. Qu'est-ce que c'est ? Et toi ici. Sans aucun doute. Parce que là, ça va être chaud. On va prendre les flèches empoisonnées aussi. Allez enquiquiner quelqu'un d'autre. Alors, notre ami, c'est Prism. Vous êtes mon chef-d'œuvre. Dont Oublek a mis la tête à prix. Parce qu'il a volé des émeraudes. Il est en train de sculpter, là, on voit un beau visage. C'est Lougri qui nous envoie.
C'est le portrait d'une Darty. Répugnant. Alors ça, c'est une remarque tout à fait additionnelle ajoutée par le BG1 NPC. Non, ce n'est pas Lougri qui m'envoie. Je pensais que j'étais fichu. Bon allez, je vais le laisser finir parce que je trouve son visage, il est joli. Et voici le fameux loup gris. Nul n'échappera à Greywolf. Je vous en supplie. Vous perdez votre temps avec moi, imbécile. Vous n'êtes qu'une prime. Il souhaite terminer son œuvre. Laisse-le faire. Eh hey, mais, je vous reconnais, c'est vous qui avez volé la prime qui me revenait. Eh oui, c'est nous. C'est Kagan qui a dit, prétendu être loup gris. Je vais d'abord vous tuer. Eh ben, il a pas l'air content. Mmh, ah, votre voix est exquise. Alors, bah, Xar, tu vas tenter de l'aveugler. Qu'y a-t-il maintenant? Toi, tu vas lui lancer une orbe chromatique. Chanteur de nuit, toi, donnez-moi de la force. Qu'est-ce que tu vas faire? Une immobilisation des personnes, c'est pas mal. Parlez. Vous deux. Qu'est-ce qui doit disparaître? Vous allez lui tirer dessus. Et Kagan, tu vas essayer de rester en vie. D'accord. Et la rivière vivra. Il est sacrément costaud, le gars. Alors, voilà déjà ces cités. Ça, c'est pas mal. Ah, il a réussi son jet de sauvegarde. On va réessayer, hein. Si tu peux rater, mon petit gars. Ah là 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 là, il réussit encore. Et là, il va être pénible parce qu'il va tenter de s'enfuir. Hein. Oui. Ce sera fait. Et il boit mes pots sur les soins là. Inutile. C'est autant de potions que je pourrais pas récupérer sur lui. Par contre, je l'ai empoisonné, donc ça c'est bon. Ouais, t'as plus besoin de pêche empoisonnée, économise-les. Certainement. Et c'est bien pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir fait le ménage sur la carte d'abord. Parce qu'il se barre, parce qu'il est aveugle. Et il a pas envie de mourir. Qui a tué? Viconia a tué l'oubli. Jal Kales? Oui. Chante, j'ai pitié de votre courte vie. Où est-ce que sont ses affaires? Mince, je les vois pas. Ah, ici. C'est pas vrai. J'arrive pas à les récupérer. Là, fallait les voir. Hein. Une potion de pouvoir qu'il a pas eu le temps de consommer. Bon, ça, je suppose que tu sais pas ce que c'est, Xar. Non. Eh ben, on va l'identifier. Une très belle épée plus 2. Avec dégâts du froid. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Ça, quand on a Khalid dans l'équipe ou un personnage qui sait manier l'épée longue, c'est vraiment une super épée. Parlez. Qu'on obtient très tôt dans le jeu. Certainement. Parce que ça, on aurait pu aller le tuer directement. Après être arrivé bientôt à HQL. Mon œuvre est achevée. Oh, on a même gagné un point de réputation. Et surtout deux émeraudes qu'on n'a pas du tout l'intention de rendre sans aucun doute à l'ami Oublek. Quelle heure est-il? Il est 18h. Je pense que le groupe va tranquillement revenir à Nashkel.
prendre du repos et demain matin nous partirons. J'attends vos instructions. Pour les mines. Alors là, faut pas rêver, hein. Je vais pas lui donner à Oublek, je vais pas lui rendre les émeraudes. Si on rend les émeraudes à Oublek, je pense qu'il nous donne quelque chose comme 300 points d'expérience. Et peut-être l'équivalent en pièces d'or, 300 pièces d'or. Alors que les deux émeraudes valent 1500 pièces d'or. 750 chacune, donc Kaya a vite fait le calcul. 750 pièces d'or, bah ça paye mieux que la prime. Et être malhonnête ne lui pose pas plus de soucis que ça. Là, on va tranquillement passer la soirée ici. Je suis d'accord. Et on pourra s'attaquer aux mines demain. Mais ce sera pour la prochaine fois. Bye bye.